Suite à celle du 23 novembre, il y a eu, en tout cas c'est dans le cadre du projet d'une transition, d'un impératif d'une transition au Congo-Brazzaville sans M. Denis Sassou Nguesso. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième phase qui est la table ronde sur les institutions deuxième partie. Aujourd'hui on parlera de tout ce qui est collectivité territoriale. Et je n'oublie pas de remercier tous les participants à cette table ronde. Nous allons être assez brefs. En tout cas, on va quand même rappeler que nous ne sommes ni une association, ni une plateforme de partis politiques. Nous sommes des citoyens congolais qui menons une réflexion prospective sur l'avenir du Congo. Ça va des institutions jusqu'à la gouvernance du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui donnera suite à d'autres tables rondes. Sans garder ou monopoliser la parole, je vais rapidement passer la parole à M. Wilfried Dombi. Je vais passer la parole. Monsieur Wilfried Dandou, qui est le modérateur de la journée. Donc, j'aimerais rappeler que donc, nous avons, dans un premier temps, le 23 novembre dernier, donc, parlé des institutions avec nos préoccupations, c'est-à-dire que noter le besoin d'institutions, du fait que notre société actuellement n'était presque plus gouvernée, que les institutions ne répondaient pas. À la prise en charge effective des problèmes des populations. Donc, la question aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'était quelle forme, c'est-à-dire aller un peu plus en profondeur, aller au-delà de l'interrogation qui est celle des institutions à mettre en place, et on va essayer donc d'aller dans ce sens-là. Vous avez reçu un document qui permet un peu de cadrer l'échange. Donc, dans ce document, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un rappel des canevas qui vont fixer plus ou moins nos débats ici. Donc, en partant des principaux éléments qui structurent un État. Donc, on parle d'abord du type d'État ou de gouvernement. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une république. Nous avons hérité à la sortie de la colonisation d'une république. Donc, d'autres ont fait d'autres choix ou d'autres sont restés dans d'autres systèmes, monarchiques par exemple. Ensuite, vous avez comme deuxième élément qui structure aussi, ou qui induit aussi une forme d'organisation, c'est la forme de l'État. On a deux grandes formes, l'État unitaire et l'État fédéral. Et entre les deux, on a des variantes telles que l'État régional, ou on peut même aller à l'extrême de l'État fédéral, qui est une confédération. Donc l'idée que nous avons ici, c'est que les uns et les autres en des propositions allant dans un sens ou dans un autre, l'idée c'est de, nous connaissant ces formes-là, c'est de faire que les propositions que l'on fait pour aller vers telle structure collent avec nos préoccupations en nous, c'est-à-dire quels problèmes on veut réguler à travers l'orientation que l'on prend, de façon à ce qu'on puisse tenter les uns et les autres des rapprochements. Et ensuite, après, nous avons le régime politique également, qui permet un autre niveau de structuration, à savoir si
Le pouvoir, il est présidentiel dans les mains d'un homme tout seul, parlementaire, dans les mains d'une assemblée avec un gouvernement qui est plus ou moins à la manette, ou semi-présidentiel avec des pouvoirs partagés. Donc la question c'est, voilà, quelle forme on choisit et ça répond à quelles préoccupations. Donc nous souhaiterions rester dans cette logique que nous avons initiée lors de la précédente rencontre, qui est celle de préoccupation, proposition, de façon à laisser les portes ouvertes du débat pour que on puisse aménager les uns et les autres en fonction des différentes propositions, qu'on puisse se rapprocher. Donc ça, c'était la première partie donc, du document que vous avez reçu. Et la deuxième partie, c'est quelques systèmes politiques qui sont mis en place dans d'autres pays, de type fédéral. Enfin, on vous donne des exemples ici pour vous donner plutôt des matières, enfin, ou comment est-ce que ces pays qui ont mis en place soit une décentralisation poussée, soit le fédéralisme, quelles matières ils ont privilégiées et par rapport à cela, qu'est-ce qu'ils ont choisi de laisser à l'État central, qu'est-ce qu'ils ont choisi de donner à l'État ou à l'entité locale. Donc cela, de sorte à ce que nous puissions, par rapport aux exemples qui sont donnés par les uns et les autres, concevoir notre modèle. Nous dire, par exemple, que pour régler le problème du président, on va aller prendre une brique d'architecture en Italie. Pour régler le problème des assemblées locales, on va aller prendre une brique d'architecture en Allemagne ou ailleurs. Donc, c'est des exemples qui nous sont donnés ici, mais qui ne sont pas, écrites en page d'or, c'est-à-dire que nous devons défier ces modèles-là, challenger ces modèles-là, de sorte à ce que nous concevons notre propre architecture, celle qui répond à nos préoccupations. Voilà, le chemin du débat qui est ouvert. Donc, on va, sans trop tarder, essayer de rentrer dans les propositions. Et peut-être que, à la fin, on essaiera de faire une synthèse ou de rapprochement avec l'écran que nous avons derrière. Donc, je vais commencer par un premier. Je voulais juste rappeler quelque chose, c'est que on a eu la journée thématique du 23 novembre où on a parlé des institutions, mais il s'est quand même dégagé une constante, c'est celle d'un régime, en tout cas, quel que soit le régime. Pour un chef de l'État qui soit moins omnipotent. Donc on part forcément sur un État où le président aura moins de prérogatives que celles que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, on a voulu un président, pour certains en tout cas, là je vais peut-être caricaturer, un président à titre honorifique, un peu comme le modèle qu'il y a eu pendant la transition démocratique de 1991 au Congo-Brazzaville. En tout cas, ça c'est juste pour qu'on se projette un peu dans l'imaginaire des Congolais. Donc voilà ce que je voulais juste rajouter au propos de Wilfried Bondou. Je ne vais pas rentrer directement dans les propositions, mais si nous sommes là aujourd'hui pour penser un peu notre pays, c'est parce que nous voulons apporter des choses nouvelles. Donc, il est intéressant de voir ce qui existe déjà. Est-ce qu'il a besoin d'être corrigé? Et comme vient de le dire Wilfried, qu'on arrive à voir quels sont les véritables défauts qu'il faut corriger. Donc, moi, c'est les quelques défauts que je donnerai dans un premier temps. Et les autres vont me compléter. Alors, il y a deux choses qui me gênent fondamentalement au niveau de notre État. Qui est un État néocolonial, disons-le. Il a été fait à l'origine pour arranger les problèmes de la grande puissance. Donc, en quelque sorte, nous avons hérité d'un État qui n'était pas un État vraiment en tant que tel congolais. C'est l'État néocolonial en tant que tel. Alors, le véritable problème qui se pose à l'heure actuelle au niveau du Congo, on revient encore là-dessus,
c'est le problème d'ethnocentrisme. Si le Congo n'arrive pas à résoudre ce problème d'ethnocentrisme, on ne pourra jamais progresser. C'est pas possible. D'autres nations ont résolu ce problème-là. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le résoudre. Donc c'est cette clé-là qui est la clé qui va ouvrir la serrure. Ça, c'est le A. Il y a un problème qui est induit également par cet ethnocentrisme, par rapport à l'État, c'est que le citoyen est loin du pouvoir. Dites-moi aujourd'hui, ma mère qui est à Kindamba ou qui est à Kakamoïka, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment du pouvoir central? Pas grand-chose. Le pouvoir est vraiment très très loin des citoyens. Donc, dans les propositions que nous allons faire, il faut qu'on rapproche effectivement le pouvoir des citoyens. C'est pour ça que ce que vous avez dit la dernière fois, j'étais valable, mais bon, je sais quand même ce que vous avez discuté. Il est question qu'on descende le plus possible le pouvoir au niveau des citoyens afin que ces mêmes citoyens représentent un contre-pouvoir. Parce qu'à l'heure actuelle, le citoyen à Brazzaville ne représente pas un contre-pouvoir. Toute la misère que nous avons à l'heure actuelle n'effleure même pas le pouvoir central. Du tout. Pour la simple raison que les citoyens ne se... Donc, parmi les propositions que nous allons faire, il faut qu'on arrive à trouver un État qui commence à résoudre le problème de l'ethnocentrisme, de un, et de deux, un État qui rapproche le pouvoir des populations. De telle sorte que chaque population, en fonction de l'endroit où il est, non pas où il naît, l'endroit où il est, où il vit. Si aujourd'hui quelqu'un qui est originaire de Vinkala vit à Wando, il faudrait qu'il ait la capacité de pouvoir exercer une partie du pouvoir. Donc arriver à enlever de notre idée le fait que les groupes que nous allons créer sont des groupes ethnopolitiques. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je pense que si les gens, si un enseignant vit à Wando et qu'il soit né à Pointe-Noire, il faut qu'il exerce une partie du pouvoir. Voilà l'enjeu, en fait, qui est de taille. Il faut arriver à trouver des structures qui règlent ce problème. Bon, donc, je m'arrêterai là pour ne pas garder la parole. Donc, comme j'ai dit, moi, le grand problème, c'est de situer les deux problèmes qu'un nouvel État doit résoudre, nécessairement. Je m'arrêterai là pour le moment et quand le mois des propositions sera venu, je ferai mes propositions. J'ai eu la chance d'avoir à mes côtés Wilfried Dandou. Je regarde souvent sur ses notes. Monsieur Tounamani, si vous pouvez nous donner vos propositions qui sont forcément à amender. Alors, tout à l'heure, avec le vieux Babacana, on discutait un peu de la logique de nos régions. À mon avis, nous avons trop de régions au niveau du Congo, des régions qui ne sont pas, en tant que telles, viables. Moi, ma proposition, c'est qu'on ait un nombre de régions totalement réduit. Je pense qu'on peut faire un regroupement régional qui tienne compte des capacités économiques. Il faut que ces régions soient des ensembles qui soient économiquement viables, de telle sorte que, si nous tenons compte des institutions dont on a parlé, quand nous allons mettre des assemblées régionales, qu'on puisse confier à ces assemblées-là une capacité financière et économique, afin que ces régions puissent effectivement donner quelque chose. Donc la première chose, c'est faire un regroupement de ces régions, afin qu'elles deviennent des régions économiquement viables. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, comme on a dit, il faut qu'il y ait un partage systématique et clair des différentes compétences. Quelles sont les compétences qui sont données à l'État central? Parce que vous allez avoir quand même une représentation centrale. Quelles sont les prérogatives qui sont données à cet État central? Et quelles sont les prérogatives qui sont données aux assemblées régionales? Jusque-là, en fait, il y a un flou complet. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous demandez qu'est-ce qui doit se faire au niveau des régions, les gens ne le savent pas. Il y a un temps ça existait. Puisque je me rappelle très bien quand j'allais au village, je savais que
pour les TP, par exemple, l'aménagement des routes appartenait en fait à la région. Mais depuis un moment, je crois que tout ça a été bouleversé. On ne sait plus qui fait quoi, etc. Donc, pour moi, nous devons clairement, clairement donner les prérogatives au niveau de la région. Et quelles sont les prérogatives qui... Bon. Un problème a été posé par certains. Certains pensent effectivement que on doit prendre l'argent du budget et pouvoir le donner d'une manière presque égale, en faisant une division en fonction des habitants, aux différentes régions. Moi, je crois que ce n'est pas en tant que tel une très bonne chose. Moi, je crois qu'il faut tout simplement que dans les prérogatives que nous allons donner aux régions, que les régions puissent voir les moyens par lesquels ils peuvent sécréter eux-mêmes déjà une certaine partie de l'argent, et comment est-ce qu'en fonction des compétences qu'on leur a données, une petite partie vienne également de l'État central. Donc deux niveaux, État central et les taxes au niveau directement de la région. Donc, grosso modo, voilà à peu près ce que je pense d'un État qui serait chez nous, totalement décentralisé, c'est-à-dire qu'il a des décisions qui seront prises, non pas par le sommet, mais seront prises directement par les assemblées au niveau des régions. Pour que ce système marche, il faut absolument que les assemblées régionales aient une voix prépondérante, qu'elles soient capables de décider et de pouvoir appliquer sans avoir besoin d'État central. Voilà. D'accord. Donc, en synthèse, disons que pour nourrir le débat par rapport aux propositions de M. Toumamani, donc, ce que l'on retient de sa proposition, c'est un État unitaire, décentralisé, avec au niveau national, si on continue dans l'interprétation, donc une assemblée nationale qui gère au niveau national et au niveau également régional, une assemblée régionale qui délibère et qui a certaines compétences. Voilà la proposition de M. Toumamani. Donc on va passer à... Moi je souhaite que notre frère Wilfried Bandou explique ce qu'est un État unitaire. Hein, parce qu'on parle de l'État fédéral, ensuite il parle d'État unitaire. On n'a peut-être pas tous ou peut-être pas la même conception, mais on ne sait peut-être pas ce que ça veut dire, parce que vous avez des compatriotes qui nous suivent à travers les vidéos, hein, qui sont dans d'autres pays, à qui ça peut ne pas beaucoup parler. En tout cas, si Wilfried est en mesure de nous l'expliquer, sinon je sais que le doyen aussi en parle beaucoup, mais je te laisse... D'accord, ok, je vais commencer. Donc, pour ceux qui sont ici présents, donc, il y a une synthèse qui a été présentée par rapport à l'État unitaire. Donc l'État unitaire, en fait, c'est l'État qui centralise tout, c'est-à-dire que toutes les décisions au niveau de la nation, au niveau national, sont prises par cet État-là. Et on peut avoir deux types d'organisations. Ou trois types, c'est-à-dire qu'un État concentré où tout émane du pouvoir, du gouvernement. Un type déconcentré, c'est-à-dire que l'État est celui qui décide, c'est à peu près ce que nous avons à Brazzaville, et à créer au niveau régional, au niveau local, des administrations ou des agents qui relaient ces décisions, toutes les décisions qui sont prises de façon centrale. Ou on peut encore aller plus loin, ce que font beaucoup de pays, c'est aller dans une espèce de décentralisation. Et quand on parle de décentralisation, il y a une notion qui s'ajoute, qui est celle de l'autonomie. C'est-à-dire que la région décentralisée peut avoir une autonomie juridique, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de prendre certaines décisions dans des matières spécifiques, une autonomie organique. C'est vraiment un organe à part qui a vraiment des missions d'institution bien identifiées et dont elle répond, enfin, vis-à-vis d'une assemblée ou
de l'autorité qui lui a donné cette mission-là, et ensuite une autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire que dans le fonctionnement, dans son budget, est complètement indépendant. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire d'un État unitaire. À la différence d'un État fédéré, l'État fédéré, c'est l'État qui s'organise en plusieurs entités, c'est-à-dire qu'une entité centrale dont émane une loi fédérale qui s'impose plus ou moins à tous les citoyens, et des entités au niveau local qui ont aussi une personnalité juridique dans laquelle on va nécessairement trouver un exécutif, le législatif, dans le sens où il y a une assemblée qui délibère, un pouvoir également juridique. Donc il y a une organisation matricielle dans laquelle on a un État qui est au-dessus, mais qui laisse les composantes qui sont en dessous, les entités fédérées, comme on peut les appeler, qui ne sont pas nécessairement des États, avoir également une juridiction propre, c'est-à-dire qu'un domaine dans lequel ils ont des compétences propres, dans lesquelles ils légifèrent en matière exécutive, en matière législative et également en matière juridique. Et tout cela soutenu par une constitution fédérale qui s'impose à tout le monde. Voilà ce que je peux en dire par rapport à la présentation. Donc, sur ma fiche, il y a d'autres, si je me permets, l'État régional. Oui, c'est ce que j'ai donné. J'ai donné les deux États, les deux États les plus connus, unitaire et fédéral. Et on peut avoir des variantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un État unitaire, mais qui tend vers un État fédéral, c'est-à-dire qui garde une structure unitaire, dans le sens de la centralisation de certains pouvoirs, et qui donne à certaines entités un statut qui est plus ou moins équivalent au statut de l'État fédéré. C'est par exemple le cas de l'Italie, par exemple, où ils ont une organisation de type régional, où on a un État unitaire, mais les régions fonctionnent, certaines régions du moins, ont reçu des compétences dans lesquelles ils fonctionnent plus ou moins comme des États ou des entités fédérées. Et on a l'extrême de l'État fédéral, un État, une confédération, qui va être là, les gens ou les entités sont complètement des États, et qui essayent de mettre à un niveau supérieur une organisation qui leur permet d'agir ensemble comme un État. C'est un peu comme, on pourrait dire, l'Europe aujourd'hui. C'est une confédération. C'est-à-dire que c'est fait de petits États qui obéissent à une structure qu'ils ont mis en place sans perdre leur valeur d'État. Voilà. Donc, en gros, les formes. Donc, et plus on rentre dans cette matière-là, et plus on va s'apercevoir, donc pour ceux qui sont ici avec les exemples qui sont donnés, qu'il n'y a aucune, si on prend les États fédérés, aucune fédération qui est exactement égale à une autre. Chacun a une spécificité, chacun l'adapte plus ou moins à son environnement et à sa façon de fonctionner. Mais les principes sont ceux-là. Je pense que il y a une urgence, un véritable problème à régler pour le pays, c'est le problème politique. Lorsqu'on parle de ces formes d'État, il y a une véritable connotation économique qui se dégage sur ces différentes formes d'État. La manière dont vont fonctionner ces États, de la manière dont ils vont financer leur fonctionnement. Donc il y a une véritable connotation économique. Donc il y a toujours une connotation politique, mais là il y a une véritable connotation économique. Le problème que nous avons à résoudre, pour nous, pour le Congo, c'est un problème politique. C'est un problème politique.
C'est un problème de représentation politique. La représentation politique. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, il y a une région du pays qui gouverne le pays et toutes les autres régions sont hors jeu. C'est un problème politique. Il ne faut pas passer par quatre chemins. Lorsqu'on veut régler un problème, il faut voir l'existant. Aujourd'hui, l'existant, s'il y a les administrateurs qui sont là, ils le connaissent peut-être, ils vont nous corriger. Nous avons des villages, nous avons des districts, nous avons des préfectures, nous avons des régions, je crois. Et on s'arrête là. Où des districts, il y a des communes, PCA, je ne sais pas. Il y a tous les spécialistes. Il y a encore, je crois que si les PCA existent, mais en fait, nous avons une échelle des entités régionales. Le problème que nous avons, j'insiste encore une fois de plus, c'est un problème politique. Il faut régler le problème politique. Régler le problème politique, ça veut dire quoi ? Moi, je parle du principe que nous avons dit, nous ne voulons plus des partis politiques dans notre pays parce que ça nous apporte plus de divisions, que ça ne résout les problèmes et ça falsifie la représentation des entités du pays. Ça, c'est la réalité. Alors, que faire pour remédier véritablement à cette situation ? Donc, nous partons de l'existant. Est-ce que l'existant, tel qu'il est, tel que c'est structuré, est bon ou pas ? Je ne porte pas d'appréciation, mais je peux dire que le problème ne se situe pas à ce niveau-là. La première chose, c'est que moi, comme je l'avais dit la dernière fois, lorsqu'on avait des partis, aujourd'hui, le parti va dire le candidat que je présente à Kindamba, il est ressortissant d'Oyo, et on le vote à Kindamba. Ça, je pense que c'est inacceptable si on veut réellement construire une nation et gérer une nation. Les gens de Kindamba sont représentés par les origines de Kindamba, les gens de Yo, de ceux de Yo, etc. Ça doit être comme ça. Alors, comment il faut faire ? Je prends un exemple concret. Lorsque nous avons les villages de chez nous, nous avons des villages. Les villages, il y a un chef de village. Généralement, le chef de village, c'est qui ? Le chef de village, c'est le propriétaire du terrain où est bâti le village, généralement. Bon, ce village-là, il y en a plusieurs qui vont former un district, donc on aura plusieurs chefs de village. Et dans le district, lorsque nous aurons besoin d'une représentation, eh bien, ces chefs de village-là peuvent désigner le représentant, donc, du district qui regroupe les différents villages. Et comme il y a plusieurs districts, ben, nous aurons, au niveau de la préfecture, des représentants des différents districts, et ça va monter l'échelle pour que nous arrivions à constituer une véritable assemblée qui va s'occuper de la gestion maintenant des affaires du pays. Et cette assemblée-là, il faudrait non seulement les compétences de représentation, mais ceux de la société civile et bien d'autres, pour que ça puisse fonctionner. Pourquoi j'insiste sur cette dimension politique ? Ne nous perdons pas, ne respectons pas, parce que quand on veut résoudre un problème, vraiment, il faut aller directement, c'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est politique, c'est pas économique, c'est pas quoi, non, c'est politique. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la situation,
et les politiques, les déséquilibrés, ce sont les mêmes personnes qui sont là. On a beau faire des petits mélanges, mais on sait ce qui se passe. Et donc, c'est un cartel, comme on disait, qui gère l'affaire. Il faut sortir de là. Donc, est-ce que la question qu'on se posera, l'existant tel qu'il est, il est mauvais? Moi, je dis non. Je dis l'existant tel qu'il est, il peut fonctionner. On n'a pas besoin de chercher à faire des états, des choses compliquées, non. Tel qu'il est, on est 4 millions d'habitants, là. On est 4 millions d'habitants. Par contre, le territoire, il est peut-être vaste, mais comme nous l'avons évoqué, ce n'est pas tous les territoires où il y a une densité de population, c'est sûr. Mais ça, c'est des questions qu'on peut regarder par la suite. Mais le problème qu'il y a, c'est d'abord la représentation, c'est-à-dire que la nation, tous ceux qui sont dans cette nation sont concernés, ils doivent être représentés au niveau des institutions politiques et particulièrement au niveau de l'Assemblée constituante. Et en ce moment-là, on met en place effectivement les institutions gouvernantes. Maintenant, lorsque l'Assemblée constituante sera là, s'il faut qu'il y ait des délégations telles que vous l'envisagez, suivant les différents modes, les différents systèmes, oui, on peut aussi l'envisager. Mais il faut régler le problème politique. Nous devons insister là-dessus. Moi, personnellement, c'est ça qui m'intéresse. Parce que le reste, c'est de la tchatche, c'est bien. Non, il y a un problème politique. Il n'y a pas une bonne représentation. Aujourd'hui, c'est un seul côté qui prend tout. Ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, quand on voit l'après, quand on fait une projection, il faudrait que justement cette projection puisse faire que tout le monde soit concerné. Pour que tout le monde soit concerné, il y a d'abord un problème de représentation. Il y a des positions fortes qu'il faut prendre quand on dit que les partis politiques divisent. On en a suffisamment parlé, on n'en veut plus. Ça, c'est le système colonial qui nous entraîne là-dessus pour mieux nous contrôler, parce qu'on passera le temps à se bagarrer entre nous, et eux, ils prendront le contrôle des affaires. Donc, si nous arrivions à régler le problème politique, ça n'empêche pas qu'on puisse, en regardant l'existant, effectivement porter des corrections. Mais la question qu'il faut se poser, l'existant tel qu'elle est, lorsque vous prenez nos villes, il y a des quartiers, il y a des arrondissements, il y a les mairies centrales, les mairies qui sont là, il y a la préfecture, ça fonctionne. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer ça? Non. Mais le problème, qui est le chef d'arrondissement? Qui est le chef de la mairie? Qui est? C'est ça le problème. C'est là où les choses ne fonctionnent pas et c'est politique. Donc, moi, je vous invite vraiment à voir l'aspect politique des problèmes. Tout le reste, c'est bien, c'est ingénieux, c'est intellectuel, c'est très bien, mais ça fait théorique. Les gens souffrent là. Regardez, vous avez YouTube, vous avez Facebook, regardez les photos qu'on nous montre. Les villes sont abîmées, c'est vraiment n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a eu un cataclysme dans ce pays-là. Il y a urgence, vraiment politique. On n'a peut-être pas les moyens de changer les choses du jour au lendemain, mais nous avons au moins les moyens de réfléchir là-dessus, réglant les problèmes politiques. Les autres, moi, je crois que ça peut attendre. Merci. Ok. Je vais juste synthétiser le propos de M. Babacana. Donc, pour lui, l'urgence, c'est donc régler la préoccupation politique qui est plus ou moins, qui était plus ou moins évoquée par M. Tounamani, qui est le problème de l'ethnocentrisme qui est au cœur donc, d'énormes problèmes que nous connaissons, ou qui est peut-être aussi l'un des principaux problèmes. Mais je voudrais également revenir sur un propos qui est celui des partis politiques, sur la précédente conférence, juste un instant.
en disant que c'est vrai que beaucoup de participants à notre conférence avaient souhaité la suppression de partis politiques, et ce n'est pas quelque chose qui est acté, dans le sens où cette assemblée-là a acté ce fait-là. C'est un des vœux de beaucoup de participants. Et même si beaucoup de participants ici allaient dans ce sens-là, cela doit aussi prendre en compte d'autres entités de la République qui ne sont peut-être pas ici. Et ça sera nécessairement l'objet d'une négociation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tous les pays où il y a des partis politiques ne finissent pas pour autant comme le Congo. Il y a peut-être, si demain les partis politiques doivent continuer à fonctionner, des normes à imposer, des règles à imposer pour que ces partis politiques-là ne soient pas n'importe quoi. Voilà, c'est un peu le propos. Donc je vais continuer à... Effectivement, il a été bon de rappeler que la dernière fois, les travaux que nous avons eu à faire, à mener ensemble, les discussions, donnaient trois axes majeurs qui semblaient se déterminer. Le premier, c'est celui sur la réduction des pouvoirs d'un chef d'État représentatif, comme l'a rappelé Mingwa. Le deuxième axe qu'on voyait très bien, c'était qu'il fallait sortir du système d'assemblée qui est essentiellement politique. Je crois que la question qui est posée, c'est celle-là. La dernière fois, la tendance générale était que la représentation nationale ne soit plus seulement l'apanage des partis politiques, mais qu'au contraire, on puisse penser autrement la formation d'une assemblée. On avait écarté l'idée d'un Sénat. On a pensé qu'une assemblée qui devait être en partie représentée par des élus politiques, ensuite par des élus de la société civile, notamment les corps professionnels et les sociétés civiles, et une troisième partie par les représentants des terroirs, pour que l'assemblée en question devienne une configuration qui ne soit pas seulement politique. Et avait une conséquence, c'était que ça impliquait automatiquement qu'on n'était plus dans le régime où le gouvernement se forme à l'Assemblée, les histoires de majorité à l'Assemblée, ce n'était plus le problème. Le problème, c'était que désormais, le Premier ministre était choisi par l'Assemblée. Cette Assemblée qui est composite, le Premier ministre élit un Premier ministre, enfin l'Assemblée élit un Premier ministre à travers les candidatures que porteraient ceux qui voudraient être Premier ministre. Ainsi, on détachait le gouvernement. On coupait le cordon de dépendance politique du gouvernement avec une quelconque majorité, parce qu'on a bien vu que les élections ont souvent engendré des conflits. Ça, c'était les deux principales orientations. Et la troisième, c'était que quelle que soit la nature des pouvoirs, il fallait suffisamment réfléchir aux contre-pouvoirs, aux institutions constitutionnelles cette fois-ci, qui arrêtent le pouvoir, qui arrêtent les abus, mais qui permet d'encadrer l'ensemble des actions de la nation, et que ça ne soit plus seulement tributaire de l'Assemblée, mais que ça devienne aussi des institutions à force constitutionnelle pour que ça porte vraiment dans la séparation des pouvoirs, que ça soit vraiment effectif. Alors, aujourd'hui, il me semble que nous abordons à la fois deux dimensions, les problèmes dans ces deux dimensions, la dimension politique, mais aussi la dimension réelle de notre pays, quand on l'observe, on regarde le schéma qui existe. Il y avait déjà des propositions. Mais moi, je crois qu'on a au moins des priorités à bien cerner. Bon, on dit souvent que pour qu'un État existe, il faut trois conditions. Un territoire délimité par les frontières. Je crois que le cas du Congo, on a le territoire délimité par les frontières. Une population. Et il faut que cette population constitue une nation. Et pour que la population puisse constituer une nation,
Il faut qu'elles se reconnaissent une histoire commune, il faut qu'elles se reconnaissent une culture, une langue, des traditions partagées pour que la population se constitue une nation. Cette notion de nation implique nécessairement, il faut qu'il y ait un sentiment d'identité partagée, d'identité commune partagée. Donc des populations qui ne se regardent pas en chaîne faïence, mais qui considèrent que dans leur diversité, ils constituent un seul peuple. Et un seul peuple parce que les populations doivent manifester leur volonté de vivre ensemble. Ça, c'est des données qui montrent que là où ça n'existe pas, il y a les guerres civiles. Bon. Les cas de guerre du Congo, ce ne sont pas des guerres civiles. Moi, c'est par cette définition que j'arrive à écarter les guerres civiles au Congo. Je dis que c'est des guerres politiques. Politiciens, c'est des crimes politiques. Il n'y a pas de guerre civile. Des guerres civiles qui affrontent des populations qui ne se supportent pas. Il y a eu des guerres qui sont plutôt des guerres politiques, parce qu'il y a un camp politique qui manœuvre et qui veut en découdre avec un autre, en utilisant l'ethnie, en utilisant tout cela comme des passerelles. Je le dis parce que j'en viens à ce que je crois à peu près qu'est le problème. Je souscris à l'idée que, dans les conditions d'aujourd'hui, on a nécessairement tout État, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir législatif qui fait les lois, quel que soit le type de l'État dans lequel, il faut un pouvoir qui fait les lois. C'est qui ? Il y a le pouvoir exécutif qui applique les lois. Et il y a le pouvoir judiciaire qui veille au respect des lois et qui sanctionne ceux qui les compètent. Aussi bien au niveau, là je ne suis pas encore en train de faire le choix, qu'on soit dans un système fédéral ou un système unitaire ou quel autre système, ces trucs-là, ces principes-là sont généralement fondateurs d'un État. Il faut de ces pouvoirs. Normalement, ces pouvoirs sont exercés par des organes différents. Bon. Ces organes, normalement, devaient se contrôler les uns aux autres, arrêter les uns aux autres. Et quand on voit le cas du Congo, on se rend compte qu'on est complètement dans un régime monarchique où il y a un pouvoir qui est là, qui régente tous les autres pouvoirs. Il faut en sortir. Et quand je dis régente tous les autres pouvoirs, parce qu'on est aujourd'hui dans la démocrature. Quand vous prenez les textes du Congo aujourd'hui, vous retrouvez exactement ce qu'il fallait normalement. Les textes parlent de la décentralisation, les communes. Tout le monde sait qu'on a des communes, des départements, des districts. Il y a des... Donc, l'administration locale existe, mais sans les pouvoirs qui vont avec. Alors, le problème qui m'intéresse le plus dans le cas du Congo, on a d'une part à résoudre le problème de l'administration d'État. Les malformations du Congo proviennent de l'administration d'État déjà, l'État central, l'administration centrale, donc les ministères, comment ça fonctionne, tous ces trucs-là sont des problèmes qui fragilisent l'ensemble de la structure de l'État. Nous avons des administrations déconcentrées. Vous voyez les antennes de l'administration centrale, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans les régions, les services qui existent dans les régions, l'administration qui vous arrive dans les régions, dans les, qui gère des circonscriptions administratives. Alors, ces services déconcentrés de l'État, ça représente des ministères, ça fonctionne tant bien que mal, ça existe. Dans les papiers, on voit, il y a les directions départementales existent par ministère, tout ça, ça existe. Et vous avez des préfets, vous avez des sous-préfets, vous avez les représentants de l'État dans les communes, le maire. Chez nous, le maire, c'est un représentant de l'État. C'est un agent de l'État, c'est un élu qui est agent de l'État dans sa fonction d'officier d'État civil et de police. Il représente l'État aussi dans la fonction de police. Donc le maire est également un agent déconcentré de l'État, en réalité, même s'il est élu. Bon, moi quand je regarde tout cela, je me pose d'autres questions, je vais revenir plus tard dans le débat. Et puis on a une administration dite décentralisée, qu'on peut imaginer. On a fabriqué récemment des conseils, pour être court, ces administrations décentralisées, les collectivités locales, qui sont censées avoir une autonomie, de préparer les budgets, faire les programmes de développement locaux, toutes ces choses-là, en fait, c'est écrit noir sur blanc, mais ça ne fonctionne pas comme ça, puisqu'on est en dictature.
Aujourd'hui, le problème, c'est que tout est décidé en haut et ils exécutent. Mais parce que ces organes, normalement, devraient avoir des organes délibérants et des organes exécutifs. C'est ce qui se passe. Dans les communes, vous avez le conseil municipal. On vous parle du conseil municipal de Brazzaville qui s'est réuni. Et le maire, c'est l'exécutif du conseil municipal, parce qu'il pilote les services municipaux et tout. Dans les départements, quand on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a le conseil général. Aujourd'hui, il y a des conseils généraux au pays, on dit conseil général, il y en a, il y a les présidents du conseil général. Et puis, les districts, pareil, tout ça, c'est structuré. Alors, c'est supposé être autonome, mais ça ne l'est pas. Mais la malformation vient du fait que simplement, la nature du régime fausse tout. À partir du moment où ce n'est pas des gens élus qui dirigent en haut, il y a un parti qui colonise tout le reste, toute la pyramide, et qui reproduit, qui s'auto-reproduit à travers ce qu'on appelle les unités décentralisées ou les collectivités territoriales, les collectivités locales. Il faut évoluer. Il faut changer de paradigme. Ça, c'est le premier problème. Il faut regarder, parce que pour changer les souffrances de nos régions, dans nos districts, dans nos territoires, sont liées. D'un côté, la branche d'administration de l'État déconcentrée, qui est défaillante. Pourquoi, comment c'est fait, comment on devient les directions départementales, comment elles fonctionnent, l'articulation. Là, on a la sous-administration totale du pays. On a une sous-administration criarde. De l'autre côté, la représentativité des populations. Elle est très mal assumée. La preuve, on en a vu tout à l'heure, que ce sont des structures dépendantes d'une autorité supérieure qui est aujourd'hui, en fait, le parti dirige l'État. Le processus a continué, se reproduit lourdement. Donc, je suis persuadé que l'évolution nécessaire commande, d'une part, qu'on assure une meilleure, quelqu'un l'a dit, donc en fait, Romani et Babacana, il faut une meilleure représentativité des populations dans les sphères de décision locales. Première étape, comment on fait? Il faut qu'on voit comment. Il y a une piste qui est juste, c'est qu'il faut intégrer autrement les questions de représentativité. Il faut les voir, les vivre autrement. Il ne faut pas se fonder sur les partis politiques seulement, parce qu'on a bien vu que les partis politiques ont parfois la lourdeur et les conséquences, c'est... Dès lors qu'on n'a plus une assemblée nationale, dès lors que l'autorité nationale n'est plus liée au parti politique en tant que tel, à la base, on devrait avoir une meilleure articulation des pouvoirs à la base. Il me semble que l'autre problème, c'est que nous avons un problème de partage des richesses dans le pays. Là aussi, je suis d'accord que ça ne sera pas... c'est une péréquation de solidarité nationale qui doit jouer dans le cadre d'institutions autonomes. Mais je pense sincèrement qu'il faut que les populations soient de plus en plus proches de qui est responsable de leur misère. Lorsqu'on regarde les matières de santé, ça s'appelle les compétences pour les territoires. Il faut qu'on regarde les compétences des territoires. Les territoires doivent être capables de s'occuper de l'école, de s'occuper de la santé, de s'occuper des activités économiques de base, de s'occuper de la promotion culturelle. Les territoires doivent avoir pleine compétence sur ça. L'État central ne doit jouer que le rôle de contrôle et le rôle de facilitateur pour assurer les équilibres. Il faut que les dynamiques locales deviennent la base sur laquelle repose l'effort de développement national. Et en ce moment-là, des régions, je pense également qu'il y a un problème, une anomalie historique dans le tracé territorial du Congo. C'est inimaginable. Si vous prenez les communes, nous sommes en France, vous prenez une commune comme Créteil, probablement près de 140 000 habitants, 130 000 habitants par là, environ. La commune de Créteil. Vous regardez le potentiel en nombre de lits malades, en nombre d'écoles, lycées, d'infrastructures sportives, de tout ce qui est l'État dans la commune de Créteil, vous comparez au Congo, ça fait parfois 4 fois, 5 fois, 10 fois plus que ce qui existe dans tout l'ensemble du Congo. Alors, prenez maintenant un arrondissement de Brazzaville. Je prends le dernier chiffre, Bakongo. On vous dit,
prenons Bakongo, 110 000 ou 115 000 habitants. Pensez-vous, franchement, que les villes, les plus petites villes en France, les communes, c'est 3 000 habitants. Hein. Vous voyez, c'est 3 000 habitants. Mais comment pouvez-vous attendre d'un maire d'un arrondissement de 120 000 habitants en situation de sous-développement qu'il puisse réellement gérer les questions liées à sa population? Ça m'étonne et je dis, c'est des anomalies. On ne peut pas avoir une commune de 200 000 habitants. Aujourd'hui, Wenze, c'est Talangaï, c'est maintenant dans les 300 000 habitants. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel maire? C'est grave. Il faut recomposer, il faut revoir des unités territoriales de développement urbain et des unités territoriales de développement rural. L'unité territoriale de développement doit être à la hauteur de ce que peut être la tâche d'une administration locale, c'est-à-dire un nombre donné de personnes. Je considère qu'on devrait être capable de raisonner en termes de besoins essentiels de population. Pour dire, par exemple, que quand on prend un périmètre de 40 000 habitants, ça fait, par exemple, une unité territoriale de développement urbain. En ce moment-là, on doit savoir pour 40 000 habitants combien d'écoles il faut, combien d'écoles primaires, combien de crèches, combien de centres de soins primaires. On doit être capable de redimensionner tout cela. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des villes qui s'agrandissent à souhait. Brazzaville, qu'on a étendu jusqu'à Kintele, et de l'autre côté jusqu'à au-delà de Ngangalingolo, ce n'est pas normal. Donc, il faut redécouper ces territoires-là pour dire qu'une ville a une dimension humaine gérable. Les districts, pareil. Vous regardez, Oyo, c'est le plus petit, l'un des plus petits districts du pays. Qui va être traité de la même façon que les... Ça ne va pas, il y a un problème. Maintenant, vous regardez les départements comme la Likwala. Alors là, la plus grosse anomalie, c'est que vous avez pratiquement... Il n'y a que un cinquième du territoire qui est habitable. Toute la Likwala, la tête du Congo que vous regardez, il n'y a que un cinquième du territoire qui est habitable. Le reste, c'est des territoires impossibles. Et on les compte dans... On dit la Likwala a telle superficie. Mais cette superficie-là, les 4 cinquièmes inhabitables. Moi, je crois qu'il faut créer de nouvelles zones. Il faut appeler ces territoires des territoires... il faut donner un nom à ces territoires qui ne... Il faut les enlever de ces régions-là. En disant, bon, le département de la Likwala, tous les territoires qui n'est pas habitable et tout doivent devenir des territoires, par exemple, d'objectifs de développement, qui sont liés à l'État central. C'est à l'État de valoriser ces territoires-là pour dire, là où il y a des zones marécageuses impossibles, c'est à l'État de faire d'avoir des politiques de valorisation de ces territoires-là. Il en est de même quand vous êtes dans les régions des plateaux, mais vous avez des espaces où il n'y a que les montagnes. On dit, ça c'est le district 2. Et ce district-là, la partie habitable ne se résume qu'à au quart. Il faut prendre ces zones-là, comme on fait les zones protégées là, il faut faire de ces zones-là des zones de développement ciblé où c'est l'État central qui s'occupe de ces zones-là pour dire là où on a vu parfois c'est des zones que la Russie, par exemple, quand ils ont des zones difficiles comme ça, la Russie consacre ces zones-là, par exemple, comme des zones militaires. C'est là-bas que les militaires vont faire le maximum des entraînements. Mais ça peut être des zones de tourisme, ça peut être des grandes zones qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la nation, mais à condition que ce soit l'État central. Justement parce qu'il y a la sous-administration, parce qu'il faut laisser les autres, les districts, s'occuper vraiment de l'espace de vie, là où il y a les hommes. Et si on peut le faire, par exemple le Mayombe, ça ne sert à rien de mettre le Mayombe dans un paquet d'un district où une grosse partie du Mayombe est mal exploitée. Le Mayombe est mal exploité, pourquoi? Parce que c'est la sous-administration, impossible d'administrer le Mayombe. Il faut faire de ces zones-là des zones spéciales, qui sont des zones d'administration spéciale. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je prends le temps, mais il y a des choses à dire. Je me résume, je considère que, un, il faut décentraliser. Je ne crois pas beaucoup au fédéralisme, je ne vais pas choisir ici. Mais je dis simplement que les problèmes que nous avons, il ne faut pas les lire simplement par la défaillance des Sassou. Sassou et son système ont rejeté le pays. Mais moi, quand j'ai repris les études qui sont faites dans les années 60, j'ai d'excellentes études. La nation, dans les années 60, faisait des études sur les régions. La région du Poule, la région de la Cuvette, la vallée du Niari. Et quand on regardait ces études-là, les projets du gouvernement s'appuyaient sur les besoins identifiés, les potentialités identifiées dans ces régions-là. On n'avait pas ces problèmes de déchirement
territoriales liées à l'ethnie, à la tribu, à la politique. Je pense que, pour l'essentiel, je m'arrête là, mais vraiment c'est important, il faut vous reporter sur le passé, vous verrez que ça a pu être administré, le pays a pu être administré en tenant compte des potentialités et en faisant en sorte que les populations se reconnaissent vers ceux qui les dirigent. Merci. Un pays qui a été détruit, trop tel que nous sommes, nous posons la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les populations en fassent mieux? Qu'est-ce qu'il faut construire? Parce que j'ai l'impression, on plagie ce qu'on veut en France, mais actuellement nous avons eu la chance, malchance, où beaucoup de Congolais sont sortis, sont allés à gauche, à droite, ils ont vu comment les autres vivent, comment à travers tant de choses qui existent. Moi personnellement, j'ai entendu mon frère Alexis en disant tout ce qu'il a dit après, voilà, on construit quelque chose, c'est des choses techniques qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, nous avons un État qui est détruit. Nous voulons faire de telle sorte que ce pays-là existe. Je ne parlais ni de fédéralisme, ce genre de choses. Moi, en plein, je plante un drapeau au cadre. Je mets des cadres, j'ai un certain nombre de questionnements. À partir de ce questionnement-là, on construit quelque chose. Voilà. Alors, j'ai entendu que non, il ne faut pas des partis politiques. Ce sont des entités où les gens réfléchissent souvent en plus de forme. En fin de compte, si on regarde les choses simplement, à pas beaucoup de recul, on peut y apporter quelque chose. Il s'agit, tout ce qu'on vit là, c'est l'escroquerie des intellectuels. Ça commence depuis de nombreux coups d'État, des assassinats et tout ça. Et les gens se sont dit, pour s'enrichir, le seul moyen, c'est la politique qui permet de détruire. Quand on regarde même, vous allez voir au Congo, il n'y a même pas un secteur privé. Tout un secteur public, on est en train de le casser. Aujourd'hui, les gens se courent vers le pétrole pour dire comment on va faire de l'argent. Tout ça. Alors, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui existent. Et les populations, pour nous qui avons grandi en ville, nous allons tout le temps dans des régions où mon père vous le laissait pour que vous allez comprendre la réalité. Je parle sous le contrôle de mon petit frère qui est là. On allait partout pour voir à peu près comment on peut planter quelque chose, comment on peut faire ce genre de choses. Et on arrivait à savoir que ceux qui vivaient en dehors de la ville, comment ils arrivaient à un moment donné à se financer. Je voyais la mère qui vend du manioc, comment avec le manioc qu'il vend, il peut assurer la scolarité des enfants. C'est-à-dire que quand on regarde tout ça, en approchant un peu, on se regarde que la caisse qu'on étudie, cette mère-là utilise pratiquement les principes de la caisse. Donc ça veut dire que à travers son économie, il y a des choses que tu pouvais faire. Moi, je reviens sur le mode de fonctionnement de quel État on veut construire ou quel pays on veut construire. Aujourd'hui, on a donné le pouvoir à soi-disant élus, parce qu'ils n'ont jamais été élus. C'est des gens qui, par escroquerie, se sont autoprogrammés, responsables, présidents. C'est ça, en fin de compte. Quand on dit que la politique est loin des citoyens, parce que les citoyens ne sentent même pas les effets de tout ce que nous faisons. Quelque chose, ce qu'on va décider ici, il faudrait mettre les citoyens au centre du développement. Au centre, c'est-à-dire que c'est pratiquement celui qui est le centre. Donc tout vient à travers ce nombre de choses. J'ai vu des modèles de développement auto-centrés, autodynamiques, et quand on regarde dans la réalité, c'était ni auto-centré ni autodynamique. Donc, par rapport à l'État, moi je ne définirais pas le mot d'État pour dire unitaire ou pas. Moi je dirais, je mets le cadre, les spécialistes de ce genre de choses peuvent mettre ça en musique. Ils peuvent dire, bon voilà, par rapport à ce genre d'éléments, voilà ce que nous pouvons mettre de tout. Moi je pense à nous de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire. Les gens qui sont spécialistes en droit ou à ce genre de choses peuvent mettre en musique tout ce que nous allons décider. On nous a donné un cadre, on dit comme si on mettait quelque chose dedans. Vous rentrez dans telle chambre, vous rentrez dans telle chambre. Moi, je refuse de rentrer dans ce genre de choses parce que si je regarde la culture française en 50, regardez tous les pays francophones, rien ne déconne. Quand on regarde les pays anglo-saxons, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. C'est une question de nous interroger. Donc, il faut chercher des modèles qui permettent à notre pays de pouvoir se développer, de pouvoir faire que les citoyens sont respectés chez lui et ailleurs.
Donc, moi, l'État que je voudrais qu'on puisse construire, on peut dire que non, on est moins nombreux. C'est vrai qu'on peut dire au niveau de la commune, il y a des communes où il y a 300, 400, si les choses sont bien gérées, 400, 500, on peut à un moment donné essayer de faire des subdivisions. Et si, on peut faire des subdivisions pour que celui qui est à la tête de cette entité-là puisse mieux gérer les problèmes des citoyens. Vous allez à Bakongo, je prends un exemple, vous allez demander au maire de Bakongo, voilà, est-ce que vous savez que là-bas ça ne marche pas, il sera incapable. En tant qu'ancien président de la municipalité, j'ai vu, on avait des mairies à gérer, on avait la mairie de Brazzaville et tout. Moi j'ai posé des questions à des gens, mais j'avais l'impression qu'ils n'avaient même pas connaissance de ce qui se passait dans l'entité qu'ils géraient. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On peut attribuer ça au pouvoir central, à tout le reste, mais il y a des choses qui ont été laissées à côté, la statistique ne marche pas au Congo. J'ai vu un collègue qui était directeur de la statistique. Quand je lui pose la question, mais par rapport aux ex-routes, tu peux me dire quelque chose? Il était incapable de me dire quelque chose. Incapable de me dire que non, cette route-là, on a mal construit, donc voilà, incapable. Ce sont des outils qu'on n'a jamais exploités. Ce sont des outils qu'on n'a jamais exploités au Congo. Donc, nous tenons une discussion, mais si on repart, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes qui ne marchent pas. Moi, quand j'étais à l'école primaire, j'étais d'adulte à l'école primaire, je voyais que chaque fois, il y avait des gens qui venaient pour voir à peu près s'il y avait, il fallait qu'ils soient vaccinés, il y a des choses qu'on regardait. Et il y a eu l'éducation qu'on disait même au moment pour ne pas avoir de problème de vente, il y a des choses qu'il fallait faire. Donc les choses étaient gérées. Pourtant, il y a des études. Et quand j'ai vu, je suis allé très loin dans le fin fond du Congo, dans la région de Poule, le fin fond du Congo, on avait l'impression que les mêmes personnes qui étaient toutes traitées au même niveau que ceux qui étaient à Brazzaville. Il y avait des centres où on n'avait pas un médecin, où on avait, je parle, des gens qui étaient intégrés entre les médecins qu'on avait créés, qui pouvaient faire des opérations, quand c'était grâce à ce moment-là que la personne était transférée à Brazzaville. Vous voyez, les gens essaient de gérer quelque chose. Moi, aujourd'hui, nous avons profité du recul que nous voyons, comment les choses se passent dans les pays anglo-saxons, comment les choses se passent ailleurs, pour essayer de construire quelque chose, pour que demain, que ce problème ne se pose pas. Mais c'est de fausses idées en disant que les partis politiques, tout ça, problème de partis politiques, on peut mettre des partis politiques, des ressorts de partis politiques. Mais si le droit marche, si la justice est vraiment vraie là-dessus, il y a des choses qui ne se passeront pas. Parce que le maire d'une ville quelconque, il confond sa poche avec la poche de la mairie. Quand on lui demande qu'il y a un dispensaire, est-ce qu'il y a des choses? Non. Il s'est dit que non, moi j'ai vu quelqu'un, je ne dis pas le nom, j'ai dit qu'est-ce qu'un homme politique? Il a dit un homme politique, c'est un mendiant. C'est pas quelqu'un qui a été ministre à un niveau. Donc voilà que la mentalité. Donc il y a un problème de mentalité qu'il faut nettoyer déjà. La mentalité du cadre. Le problème, c'est pas les citoyens lambda, c'est le cadre qui est ici. La mentalité. Les gens font la politique pour s'enrichir. Font pas la politique pour. La politique, c'est un service, se servir. Et pour que la personne se serve les autres, il faudrait mettre ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Il faudrait qu'il y ait un contrôle qui existe, pratiquement. Oh, les contrôles, on a laissé ce contrôle-là. Donc aujourd'hui, on dit, bon, voilà, ça permettrait aux citoyens d'avoir ceci. On peut dire des mots, tout ce qu'on veut dire, quelque part. Si le cadre que nous voulons créer, nous ne voulons pas créer un état, il faut créer un état juste. Et pour créer un état juste, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui contrôlent. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un pouvoir absolu, il faut qu'il se rende compte que quand j'ai pris un centime, je dois justifier le centime que je prends. Donc, moi, l'État que je voudrais, je ne dis pas central autour, au pouvoir central et tout, il faut jamais donner à l'homme autant de pouvoir possible. Il faut toujours qu'il y ait un contre-pouvoir. Moi, je pense que quand je regarde, bon, pour beaucoup d'entre nous qui ont fait le tour des régions, moi, je vous dis franchement, j'ai fait le tour de toutes les régions pratiquement. Donc, j'ai vu comment les choses se passent. Aujourd'hui, on appelle des départements. Il faudrait qu'à un moment donné, que quelques pouvoirs soient transférés à ces départements-là. Ce n'est pas total, mais on est sur un contrôle. Que l'État central dont vous parlez, il peut avoir un rôle, des rôles régaliens, qui peut faire la même chose, mais il faut qu'il y ait un contrôle. Parce qu'on a l'impression que quelqu'un s'assoit
par expérience, je suis allé au Congo il n'y a pas un moment donné. On avait acheté un truc au niveau de la mairie du Brésil, il y a des maisons qu'on avait achetées tout de suite. Et ce jour-là, je vois une convocation, donc c'est un monsieur qui me convoque enfin, pour aller à la mairie. Et quand j'arrive, il me dit, oui, maintenant, vous allez payer votre loyer ici. J'ai dit, ah bon, je vous donne de l'argent, oui. Parce que cette maison-là, ça vous appartient. Oui, mais ça appartient à la mairie. Ah bon. Donc, on vient de vous nommer à peine. Comme ça, vous vous dites, non, je veux construire une maison et commencer à faire des taxes. J'ai dit, bon, voilà. Le budget municipal qui est là, dites-moi ces taxes-là, ça appartient à quel chapitre du budget municipal? Il était incapable de le faire. Et ce comportement-là existe partout. Si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est parce que c'est ça. C'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre. Donc aujourd'hui, moi, pour ma part, donc mon problème, c'est que je construis un cadre et après, les spécialistes mettent ce cadre-là en musique. Pour dire que non, voilà ce qu'il faut mettre, voilà tout faire. C'est ce qu'on attend de nous. Si on rentre dans des trucs techniques, parfois on se perd. Parce que tu n'as pas fait des idées que tu peux donner et tu les dis n'importe comment. Mais il faut te dire, bon voilà le Congo, le niveau il est. Il faudrait que, comme on a dit, les citoyens doivent être proches. Ils doivent vivre de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je parle du fait que non, nous regardons le Congo. Nous disons par exemple, ici, du côté du nord, voilà les potentialités qu'ils ont. On peut regarder si ces zones-là, est-ce qu'on ne peut pas regarder les zones touristiques? Est-ce que là, par rapport à l'agriculture, est-ce qu'on peut pousser pour que des chemins d'agriculture et tout mettent des moyens par rapport à ce genre de choses? Mais pour que celui qui est en haut, qui est ministre, qui va prendre les décisions, il faudrait que les décisions reviennent à ceux qui font quelque chose. Les autres peuvent assurer le contrôle. Donc moi, je parle de pouvoir de l'État central vers les départements. Suivant ce qu'ils ont, les fils, ce qu'ils ont. Donc nous créons ce cadre-là. Mais en ce moment-là, maintenant, après, on peut mettre en musique, on peut donner des formes de l'État. En regardant, comme on a vu par exemple un tableau, ce truc-là existe en Allemagne, voilà comment ils font, voilà. Et en tenant compte de la spécificité de notre histoire, nos sensibilités, comment nous faisons, comment nous vivons. Ces éléments, ça doit intégrer le cadre que nous faisons. Moi, ma préoccupation, c'est ça. Je ne veux pas parler, dire non, on enlève le parti politique, donc, mais comment les gens vont? Moi je dis le parti politique, il y a des partis politiques pourris et tout. Peut-être ce qu'on pourrait faire pour que le problème, quand on parle du problème de tribalisme que vous évoquez, est-ce que vous ne constatez pas que non? Dans toutes les familles, les gens sont mélangés. Comment voulez-vous que les gens sont mélangés? Ils ont des familles qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et on parle de tribalisme. Mais nous disons, bon voilà, moi ton enfant, comme toi tu es Mbushi, ton enfant est Dari, je vais le couper en deux. Il va dire, non, c'est mon fils. Mais pourquoi est-ce que ces familles-là se sont mariées? Et donc il y a beaucoup de mariages mixtes qui sont faits. Et on continue toujours à parler de tribalisme. C'est un moyen que le politique utilise pour pouvoir gouverner. La réalité est, nous sommes d'accord, la réalité est là. Mais cette réalité-là, on veut faire comprendre aux gens. Comme je disais tantôt, moi, quand j'étais à la fac de sciences, j'avais un ami qui était embauché de Burundi, qui me disait tout le temps à l'oreille que nous avons le pouvoir. Il m'a dit ça 10 fois, 15 fois. Une fois, je lui ai dit, tu sais que tu n'as pas le pouvoir. Oh non, mais c'est là que tu lui dis, ah bon, ouais. Le jour où tu auras le problème, tu te rendras compte que tu n'es pas au pouvoir. 2 mois sont écoulés, effectivement, sa mère était grave malade. Il est allé voir, soi-disant, ses parents qui étaient au pouvoir, tout ça. Personne n'a donné un seul centime parce qu'ils avaient rien. Il est revenu vers moi, tu m'as dit, ah bon? J'ai dit, tu vois, moi je te prête parce qu'on a un truc. Mais là, ce n'est pas les autres. Il dit, faux. C'est vrai qu'on instrumentalise. Personne n'a donné alors qu'ils étaient, pratiquement, c'était sous 101. Personne n'a donné quelque chose. Donc, moi je pense que je vais couper, mais moi je pense que aujourd'hui, notre problème, l'apport que nous faisons, nous créons le cadre. Moi, le cadre que je veux créer, c'est lequel? Je me dis ceci, qu'au niveau, on peut appeler ça les départements, des régions, on peut effectivement, en passant par les populations, essayer de voir quelles régions, avec quelles régions, peuvent vivre ensemble et construire ce qu'on en sont, et regarder autour de ça. En ce moment-là, on diminue le nombre de départements et on leur donne des pouvoirs. Par exemple, au niveau de l'éducation nationale, si on veut créer, par exemple, des instructions académiques, des académies et tout, les académies peuvent traverser des départements. C'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est un plan, moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, c'est un plan qu'on peut faire. Mais là,
Donc, il y a, je ne sais pas comment on va appeler ça, est-ce qu'un fédéralisme ou bien une dissolution totale, ouais, je ne sais pas, on trouvera les mots qu'il faudrait. Mais il faudrait que les hommes politiques qui viennent pour s'enrichir, hein, ne puissent pas avoir la totalité des moyens décidés à l'État et qu'ils gardent pour eux pour pouvoir venir acheter des appartements ici, aux États-Unis, partout. Donc il faut que le pouvoir, un certain nombre de pouvoirs soient donnés au département et tout ce qui est pouvoir régalien reste au niveau de l'État. Et en regardant le problème de l'armée, parce que c'est très important ce genre de choses, parce que les gens sont arrivés au pouvoir en maintenant les gens avec des canaux. Donc il faudrait que le problème de l'armée soit réglé, où on décentralise cette armée-là, on le met dans les départements pour que quelqu'un ne puisse pas avoir la mainmise pour essayer de faire n'importe quoi. Moi, voilà mon schéma à moi. C'est le schéma, maintenant on pourra mettre en musique tout ce qu'on veut. Le pouvoir central, il faut le prendre, mais il y a dans les départements, il faut que d'autres pouvoirs soient délégués aux départements, qui peuvent gérer ce genre de choses, avec un contraire, avec des contraintes qu'on puisse mettre au pays. Maintenant, regardons sur le problème du trésor public. Le trésor public, chaque fois qu'un président arrive, le trésor public, ça devient sa façon de... C'est lui qui demande, on a vu. Ils vont prendre. Or, ce trésor public-là, il faut que le trésor payeur général, si on fait un état, comme je vois les banques unitaires et tout, le trésor payeur général doit être désigné, pas désigné, voté par les deux chambres, qui a une chambre, par les parlements et tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, même si le président le désigne, mais il doit être voté par l'ensemble des élus, pour qu'à un moment donné, que le président puisse avoir l'ascendant sur lui. Parce que l'expérience montre que non, quand on est président, on dit au trésor payeur général, j'ai besoin de ça, même s'il a fait son argent, il va prendre les autres. Donc il faudrait régler le problème du trésor public, régler le problème de l'armée, regarder quelle forme qu'on va donner à cette armée-là pour que les coups d'État qui ne viennent pas. Ça, c'est le reste, on peut le gérer facilement. Voilà, je l'ai terminé. Moi, je vais essayer de me résumer en disant ceci. Que quand on crée le Congo, on se fixe comme objectif atteindre l'unité, le travail et le progrès. Unité, travail, progrès. C'est la devise. Ce sont en fait que des objectifs. Mais chemin faisant, quand on part à l'arrivée du colon, qui signe en 1880 le traité de Mbé avec entre Debraza et Makoko, et en 1883 le traité de Luango entre le roi Mankoso Tchikoso, le 12 mars 1883 à Luango, on arrive à la création du Congo qu'on avait appelé d'abord par Moyen Congo, et en 58 par la République du Congo, parce que le Moyen Congo n'était qu'un territoire. Et donc, on crée la République le 28 novembre 1958. Nous avons aussi deux périodes très importantes, de 1945 à 1956, avec les votes ou les élections devant déterminer le représentant du Congo et du Gabon à l'époque. Nous avons vu Jean-Félix Tshikaya qui était toujours, donc 1946 jusqu'à 1956, c'est Jean-Félix Tshikaya qui a représenté le Moyen Congo et qui avait toujours pour challenger Jacques Mpango. En 1957, il y a eu ce bouleversement, mais qui a donc avec Jacques Mpango qui était en tête sur les 45 députés territoriaux, 23 et 22. Il s'est passé ce qui s'est passé. Nous avons tous appris, pour certains, l'affaire Georges Yambo, qui a fini par bouleverser, faire partir Jacques Mpango et l'arrivée de Fulbert Youlou. Fulbert Youlou, qui prend les règnes, reste pratiquement jusqu'en 59, où il est maire, et après, quand il passe,
Ce sont les problèmes qui commencent. Et le premier gouvernement d'union nationale va être formé en 59, parce qu'en février, la même année, il y avait ce qu'on appelait par, même si on ne va pas parler de guerre civile, il y a eu la guerre civile au Congo, le Congo a connu la guerre civile, et on me dit même que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence et la suite logique de la guerre civile de 59. Mais le Congo, entre-temps, avant l'arrivée du colon, il y avait deux royaumes, le royaume Teke et le royaume de Luango, et deux chefferies, la chefferie Mouchi et la chefferie Likouba. Ces choses-là, si nous les oublions un peu, ben on ne saura jamais où on va. Il faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Mon aîné a parlé de la résolution de la situation politique. Et il s'agit bien de la situation politique au Congo. La situation politique se résume par la situation du pouvoir. Pensez-vous que les Mouchi, la chefferie Mouchi, la chefferie du Kouba, le royaume Teke, le royaume Luango, vont accepter éternellement de se faire commander les uns par une entité qui n'a jamais existé depuis des siècles ou des millénaires? Quelques, il y a à peine, il y a quoi, il y a quelques années seulement, que, il n'y a même pas un siècle, ou disons presque un siècle, mais pas plus, que ces chefferies, chaque entité avait son chef. Et aujourd'hui, entre guillemets, c'est la chefferie Mouchi qui commande tout le monde. En fait, c'est ça. Vous croyez que les Luango vont accepter que les Mouchi les commandent tout le temps? Vous croyez que les Teke vont accepter que les Likouba les commandent tout le temps? Nous sommes une résultante aujourd'hui là. Si on refuse d'être Lari, Bébé, Teke, Vili, Noir et Blanc, eh bien on se perd. C'est là où il y a le problème, effectivement. Ces États, il y a des États qui ont existé, qui ont disparu. Ils ont disparu pour une cause, pour une raison profonde. Ces États-là, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, le Soudan, qui ont disparu. Mais peut-être qu'après la guerre des Balkans, aujourd'hui, cette problématique qui se posait dans les pays des Balkans, ça s'est un peu atténué. Parce que le problème, c'est tellement du pouvoir entre les Mouchi, les Teke, les Lari, les Congo, et ainsi de suite. Ça a été réglé. Je crois que c'est ça aussi. Et si nous oublions ce minima-là, parce qu'on parle de l'État unitaire, unitaire sur quelle base? L'unité, c'est quoi? Qui a formé le Congo? Est-ce que ce sont ces Congolais d'aujourd'hui qui ont formé le Congo? Ou le Congo est une fabrication? À partir du moment où c'est une fabrication, il y a un problème. Moi, je pense que le problème vient un peu de là aussi. Et c'est pour cela qu'on parle dans notre devise unité, travail, progrès. Donc on atteint le progrès en travaillant dans l'unité. Mais est-ce que cette unité-là est là? Elle n'est pas là. Elle était à construire. Elle n'est pas là. Moi, je le reprécise. Aujourd'hui, moi, je suis Luango. Je ne veux pas être commandé éternellement par un Mouchi. Je dis non. Mon problème, c'est celui-là. C'est comme aujourd'hui, nous l'avons suivi avec le procès des généraux. Qui se préoccupe de l'avenir des Mouchi? Les Mouchi ne veulent pas, ils ne sentent pas la garantie d'être commandés par les Congos. C'est ça aussi le problème. Et après, le reste, on gère, que je mange pas. Et bon, voilà, tant mieux, tant pis. Et moi, revenons un peu à ce que nous étions, parce que nous étions. Moi, quand je dis nous étions, et aujourd'hui, je ne suis qu'une résultante parce que j'ai des ancêtres. Les ancêtres, il y a des tombes qui sont quelque part, que je connais. Et
faisons attention à ce problème-là. Unité, 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 unité. Je vous apprends que la Suisse est passée par ces problèmes que nous avons connus. Elle est passée par là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Suisse, ils ont réglé le problème de fédération d'abord, de la confédération. Qui, à la fin, ils se sont dit, pour éviter ces problèmes-là, faisons une présidence symbolique et presque tournante. Ok, merci. C'était juste, en gros, pour résumer les propos de Robert Poitiers-Trombeau qui vont dans le sens de la thématique, il propose pour régler le problème qu'il a évoqué une confédération. Merci. Et juste avant, puisque vous êtes arrivé après, ce que l'on a souhaité, c'est ce qu'on a fait à la fin, c'est-à-dire que après que vous ayez donné votre vision, que vous nous faisiez une synthèse que l'on puisse lire facilement, parce que vous voulez une confédération, ou qu'on n'ait pas à reprendre à la fin. Voilà, c'est exactement. La parole est bon. C'est vrai que nous arrivons légèrement en retard pour des questions personnelles. Mais de toute façon, j'avais pris connaissance de l'objet de la rencontre. D'accord, donc, parfait. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire davantage. Hein, parce que, à mon avis, si nous nous réunissons aujourd'hui, hier, avant-hier aussi, c'est parce qu'il y a des problèmes. Donc lorsqu'il y a des problèmes, il faut savoir d'abord les identifier pour pouvoir apporter une solution, une réponse. Alors moi personnellement, je résume cela en un mot, c'est le problème là, gouvernance de la cité. Qui est posé. Alors, quand on rentre dans la gouvernance de la cité, on va trouver des sous-problèmes qui sont relatifs aux problèmes de l'administration publique, aux problèmes des institutions, aux problèmes politiques, les problèmes de santé, l'urbanisme, l'éducation, enfin bref, tous ces volets-là, une fois que nous les avons identifiés, nous serons en fait en mesure de trouver la méthodologie ou l'organisation qu'il faut mettre en place pour pouvoir les traiter. Parce que pour revenir un peu au travail que je fais moi, qui est déjà désormais disponible, je ne sais pas s'il y a parmi vous, c'est tant mieux la curiosité de disposer. Mais ce sont des problématiques que j'ai vraiment abordées, mais pas de manière totale, mais que j'ai abordées dans la globalité. Dans la globalité. Donc aujourd'hui, je suis présent parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, hein, sinon je ne serais pas là. Je n'aurais pas passé non plus des années à y réfléchir. Voilà. Donc moi, je ne peux pas dire davantage parce que je comprends tout à fait qu'on a besoin de savoir quel modèle on va avoir, unitaire, fédéral. Moi, personnellement, de la réflexion que j'ai faite, je suis pour un État unitaire avec la possibilité donnée aux régions de réfléchir par rapport à leur milieu et de trouver les priorités dans la programmation des projets à développer. Et ça, c'est ce que j'ai développé. Je pense que je ne veux pas me démentir aujourd'hui. Donc, je vais plutôt laisser la parole aux autres. Pour... Donc, je vais faire une intervention rapide. Je ne veux pas être long. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Hein. Donc, en ce qui concerne l'organisation, les raisons, tout ça, je ne vais pas revenir sur ça. J'ai tout juste... Peut-être pas, bon, je ne parle pas de problème d'organisation des régions, c'est plutôt une remarque, quelque chose que j'estime fondamental, quelque chose de fondamental pour le développement du pays. C'est le problème, déjà les fondements, la base d'un développement du pays, il y a au moins deux axes. Hein. Il y a d'autres, exemple la santé, l'éducation. Mais je parle plutôt de problème de santé. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est vivre aussi dans un environnement qui est sain. Or, il y a un problème fondamental au Congo, pas seulement au Congo, mais dans beaucoup de pays africains, c'est comme nous sommes habitués à vivre dans les miasmes. Pourquoi je le dis, quand on va au Congo,
dans l'environnement dans lequel on vit, bon, ça laisse à désirer. Cela, donc, ce qui m'amène à parler du problème d'urbanisation. Que les anciennes villes, elles sont ce qu'elles sont, essaient de rendre ça, en quelque sorte, plus vivable en termes sanitaires, c'est un peu plus compliqué, mais c'est surtout les nouveaux quartiers. Vraiment, c'est effarant de voir les nouveaux quartiers qui se créent, c'est en quelque sorte, on met la charrue avant les bœufs. On laisse les gens construire de façon anarchique. Bien sûr, on n'essaie pas de prévoir par la suite les conditions sanitaires qui devaient aller avec. Et bien sûr, on voit les conséquences aujourd'hui. Quand il y a les pluies, on n'a pris aucune précaution en termes de conditions sanitaires, donc ce qui fait qu'on vit dans un environnement qui est complètement malsain. Et bien sûr, ça contribue, non seulement les gens vivent dans un environnement, ils perdent un peu l'estime de soi, et les maladies aussi peuvent survenir facilement. Donc j'estime que ça, c'est un problème clé. Une fois que les choses vont changer au Congo, qu'on essaie de réfléchir, j'estime que ce n'est pas ce qui va coûter plus cher, c'est tout juste un problème de volonté d'organisation. On a l'exemple ici, hein. Il faut essayer de prendre les bons exemples. Quand il y a des nouveaux lotissements qui sont créés, ils n'ont pas besoin forcément les plus intelligents de la France pour organiser, exemple, les nouveaux lotissements. Pourquoi chez nous, on est incapable de le faire? Vraiment, j'estime que ça, c'est un problème fondamental. Donc, le Congo de demain, en ce qui concerne le problème d'urbanisation, on devrait penser autrement. Sinon, quelle que soit la personne qui vient au pouvoir, si les gens vont continuer à vivre dans cette anarchie, eh bien, les mêmes problèmes, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est tout ce que j'avais à dire.